qui est surclassé. Il a dit les adversaires de l'équipe de France, Pierre Kaloulou, qui a résisté et qui va lancer les conditions de jeu qui semblent idéales. Avec un Liba, Kamavinga qui est resté au sol, mais ça joue avec Kaloulou. Le centre de Kaloulou pour Gouiri. À l'assistant. Oui, puis on cale juste avant les Jeux Olympiques. C'est des pattes gauches qui sont à l'honneur là. Parce qu'il a, il joue dans le confort, il n'est pas. Dans la surface de réparation, Kaloulou. Ballon qui a été stoppé devant la surcoule, la remise trop molle. Et le ballon toujours contrôlé par les Bleuets. Ouais, c'est bien ces échanges rapides là qui déplacent l'adversaire. Et un contre macédonien s'organise avec Vaucha. Français aurait déjà 2 ou 3 buts d'avance. Macédoine ici au Mans, que l'équipe de France n'avait pas gagné. Et la Macédoine avait terminé devant l'équipe de France. C'était l'époque où les Bleuets ne se qualifiaient plus pour les Euros. Et c'est une époque. But marqué. Kaloulou. Kaloulou. En principe, la vie est belle, ouais, pour Eduardo Camavinga. Edonien, il s'expose au risque. Ce risque de perdre le ballon. Ferrati qui renverse. Ballon interfé. Alors, c'est vrai que. Comme papa et comme le frère. Voilà. Et ballon sorti par les Macédoniens. 2m02. Ouais. Ouais. Jouer vite ce coup franc. Kaloulou vigilant, bien placé. Et de nouveau Kaloulou à l'attaque avec Sekouma. Ah oui, Enzo Lofé qui va ouvrir. Oui. Il avait Pierre Kaloulou qui est lancé. Kaloulou en duel. Kaloulou le piqué. Magnifique. Et 3-0. Grâce à Pierre Kaloulou, venu de sa défense, pour inscrire ce 3e but français contre remarquable. Finition.